Bienvenue dans la maison du Seigneur, dans l'assemblée du Seigneur ici au plateau. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en ligne aussi. Et nous voulons ensemble nous consacrer à la parole de Dieu. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'abeille charpentière? Une abeille charpentière, ça vous dit? Oui? Vous en avez ici? Je ne sais pas si on a ça en Haïti. Si je vous dis « von-von », ah, là, il y a des gens qui me comprennent. L'abeille charpentière aux Antilles, parce qu'il y en a une aux Antilles en particulier, c'est une espèce de gros bourdon de la taille d'une balle de ping-pong, noire. Et puis ça fait « von-von ». Et quand on était petit, mon frère et moi, on avait une peur bleue de cette affaire-là. Elle n'a jamais mordu personne, mais juste le son. On allait se cacher quelque part dans la maison dès qu'on entendait le son. Fast forward, j'ai 25 ans. Je viens de me marier et j'arrive dans ma nouvelle maison avec une haie. Et puis j'entends le von-von. Mes amis, j'ai piqué un sprint et j'ai laissé ma femme derrière. Et ma femme, elle est courageuse, elle ne comprend pas ce qui se passe. Donc elle voit l'animal qui passe, il est passé, puis il est parti. Elle m'a dit, mais Julie, qu'est-ce que tu m'as laissé toute seule? J'ai eu peur. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul. À un moment, nous avons tous eu peur. Et même, je suis certain, il y en a aujourd'hui qui sont là, dans cette salle, et qui ont peur. Ils ont peur de quelque chose, de quelqu'un. Et je voudrais vous dire que vous n'êtes pas seul. Donc, vous êtes en grande compagnie parce que nous allons voir que l'apôtre Paul aussi a eu peur. Mais, plus que tout, ce que nous allons voir, c'est que Jésus fait triompher de la peur. Amen. Amen. On va prier juste un court instant. Seigneur, éclaire-nous par ta parole. Et pour tous ceux que la peur étreint, que l'anxiété maintient captif, je prie que ta parole rassure, réconforte et fortifie. Et que Jésus, surtout, soit exalté parmi nous ce matin. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Amen. Jésus fait triompher de la peur. Et pour parler de notre contexte, Paul arrive donc à Corinthe. Il est en train de faire son deuxième voyage missionnaire. Donc, on l'a entendu superbement par la bouche de Pierre la semaine dernière. Il était à Athènes et puis il se rend là, il se déplace vers la gauche, entre guillemets, vers l'ouest, vers Corinthe. Corinthe, c'est une ville nouvellement reconstruite par Rome. Elle a environ 200 000 habitants et Corinthe, donc, est riche grâce à ses deux ports, son canal en particulier. Le canal de Corinthe existe toujours, il a été creusé donc à main d'homme et c'est un instrument donc de navigation. Les bateaux passaient là pour éviter de faire tout le tour par la mer Égée qui était une mer traîtresse qui sombrait les navires. Et donc les Corinthiens ont trouvé ce moyen d'être connectés donc avec le reste de la Grèce. Et qui dit canal, eh bien dit simplement taxe. Il fallait payer pour l'emprunter. Donc, Corinthe a deux ports, plus un canal. Corinthe, c'est une ville riche. Elle était appelée l'œil de la Grèce. Et puis, Corinthe, certains d'entre vous le savent déjà, était très connue, très réputée pour son immoralité et sa prostitution. Un historien
grec faisait état de 1000 prostituées à une époque dans la ville. Certains pensent qu'il exagérait un peu, peut-être, mais quoi qu'il en soit, la ville avait atteint un tel niveau d'immoralité que son nom même était associé à l'immoralité. Corinthianiser, c'était devenu un verbe, c'était fréquenter les prostituées. Et donc, quand on regarde une ville pareille, on se dit, ça, c'est pas un terreau très fertile pour l'Évangile. On n'a pas envie d'entendre parler de Jésus dans une cité aussi glauque, aussi immorale. Et pourtant, on nous dit que Paul aura un ministère long et fructueux là-bas. Mais voilà, nous devons plonger au cœur de notre sujet. Je vous l'ai dit, Paul arrive à Corinthe et nous savons que Paul a peur. C'est la première chose que nous allons voir. Paul a peur et puis on va voir les solutions que Dieu apporte à la peur de Paul. Nous savons que Paul a peur, Luc ne l'a pas dit dans notre récit, mais Paul lui-même l'avoue. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, versets 1 à 3, l'apôtre déclare « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Ça, c'est son intention. Mais dans quel état arrive-t-il à Corinthe? Il le dit lui-même, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement? De grand tremblement. » Les mots sont importants là. Le mot faiblesse parle de maladie parfois, mais il est aussi employé pour parler de perte d'énergie. À la pensée d'aller à Corinthe, Paul était là, il y arrive en train de trembler dans ses baskets. Il y avait chez lui un profond bouleversement. Et puis même si on n'avait pas compris ça, il nous le dit très clairement. Paul a peur. Le mot qui est employé là, c'est le mot phobos, que vous connaissez tous. Il nous a donné phobie. La phobie, c'est une peur. Paul a peur. Non seulement Paul a peur, mais il nous dit qu'il est dans un état de grand tremblement. Et le mot tremblement est remarquable. En grec, il signifie tremblement. Et je pense que Paul exagère à peine, c'est le mot qui est utilisé dans Marc 8, lorsque les femmes sont allées au tombeau, elles nous ont trouvé le tombeau à moitié vide parce qu'il y avait deux anges dedans qui leur ont dit « Jésus est ressuscité », les femmes ont tremblé, elles ont couru, elles sont allées se cacher. Le mot « tremblade » se retrouve aussi dans l'Ancien Testament, Exode 15, verset 15, lorsque Israël sort d'Égypte, eh bien, les peuples cananéens, nous dit Moïse, sont en train de trembler. Ils ont peur pour leur vie. Ce n'est pas seulement figuratif. Paul a peur, mes amis. Le grand apôtre est saisi par l'effroi. Paul a peur en arrivant à Corinthe, mais nous l'avons lu, non seulement il a peur avant d'arriver, mais pendant qu'il est à Corinthe, il a encore peur. Vous vous rappelez dans le texte, verset 9? Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains pas. Ne crains pas. OK? Et il lui dit, Paul, ne te tais point, car je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. En général, mes amis, lorsque Jésus dit à quelqu'un, ne crains point, c'est que la personne est en train de craindre. Et on va y revenir, mais vous notez, Jésus sait pourquoi Paul a peur. Jésus lui dit, écoute, ne t'en fais pas, tu ne vas pas te faire bastonner, tu ne vas pas te faire lapider comme c'est arrivé avant. En fait, lorsque Jésus dit à Paul, ne crains point, et notez tout le temps là, tous les temps employés, sauf peut-être maîtres, sont au présent. L'idée est que Paul, le géant spirituel, il a besoin d'encouragement et le grec indique que Jésus dit à Paul,
impératif présent, arrête d'avoir peur. Ou bien sors de ton état de peur. Et puis, j'ai envie de vous dire que même après, quand Paul qualifie son ministère à Corinthe, ben, il dit que c'est un ministère qui est vécu dans la peur. Même après, Paul nous dit dans 2 Corinthiens 7, « Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés, de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. » Le même mot « peur » là. Ce n'est pas « respect », parce que le mot « peur » veut parfois dire « respect », mais là, ce n'est pas le cas. Paul a eu peur. Et même après qu'il était parti de Corinthe, il avait peur pour l'état de l'Église. Et c'est Tite qui le rassure, qui le console. Et moi, de faire une première application là. Aujourd'hui, les sentiments sont devenus sacrés. Ce qu'une personne ressent, c'est quelque chose que personne ne doit toucher. Comme dans le passé, on a souvent méprisé et négligé la vie sentimentale, aujourd'hui, on fait basculer le pendule de l'autre côté. Et on dit, mes sentiments me définissent. Mes sentiments doivent être respectés. Et c'est vrai jusqu'à un certain point. Mais nous sommes arrivés au point où, lorsque quelqu'un se sent offensé, eh bien, l'autre n'a pas le choix que de s'agenouiller et de demander pardon. Autrement dit, dans la pensée de beaucoup aujourd'hui, personne n'a le droit de me dire comment je dois me sentir. Excepté Jésus. Parce que Jésus dit à Paul ici, arrête d'avoir peur. Tu n'en as pas le droit. Toi, comment tu te sens là? Il faut que tu arrêtes ça. Donc, et j'espère justement ne choquer personne, dans certaines circonstances, c'est un péché que d'avoir peur. Je dis bien dans certaines circonstances. On va y revenir. Mais voilà, passons aux solutions à la peur de Paul. Il y en a trois dans notre texte. C'est Dieu qui les pourvoit à chaque fois. Dieu intervient et face aux peurs de Paul, il place premièrement des compagnons d'œuvre. Deuxièmement, Dieu vient communiquer directement avec son serviteur. Et puis troisièmement, Dieu montre à Paul qu'il a le contrôle sur les circonstances. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour revenir à notre texte, donc, Paul est arrivé à Corinthe et la première personne qu'il a rencontrée à Corinthe, ou les premières personnes qu'il a rencontrées à Corinthe, c'est Priscilla et Aquila. Peut-être que certains vont dire de manière très catégorique que Aquila et Priscilla sont des chrétiens qui sont arrivés de Rome. Je n'en suis pas sûr. À 100%. Pourquoi? Parce qu'Aquila est appelé un juif, non seulement pour le distinguer sans doute d'un romain, peut-être, mais surtout l'appellation juif, entre guillemets, est utilisée majoritairement dans les actes pour parler de personnes qui ne connaissent pas Christ. Donc peut-être qu'Aquila et Priscilla ne sont pas encore chrétiens quand ils arrivent là à Corinthe, mais il n'empêche que, avec le ministère de Paul, visiblement à la fin, ils deviennent non seulement des chrétiens, mais des compagnons d'œuvre du Seigneur. Priscilla vient du grec ou du latin qui veut dire Prisca, ou c'est un diminutif de Prisca qui veut dire l'ancienne, la vénérable. Et puis Aquilas en latin veut dire l'aigle. Ce sont des noms latins, ils vivaient à Rome, mais visiblement ils sont juifs. Et notons que ce sont des fabricants de tentes. Et certains ont pensé que cette expression-là, faiseur de tente, faisait référence au métier de tisserand, tisseur de poils de laine de chèvre, je devrais dire.
Mais il faut noter que ce métier-là n'était pas honorable pour les Juifs. Vraisemblablement, Paul, Aquilas et son épouse étaient probablement l'équivalent de ce qu'on appelle des tanneurs. C'était des gens qui travaillaient le cuir, parce que les tentes à cette époque étaient faites en cuir. Et l'Écriture nous dit qu'ils rencontrent, donc Priscilla et Aquilas rencontrent Paul, parce que l'empereur Claude avait décidé d'expulser les Juifs de Rome. Et là encore, c'est un fait historique, mes amis. Ce n'est pas quelque chose que la Bible a inventé, c'est vrai. On a des traces de la chose. L'empereur Claude, en 49 après Jésus-Christ, avait trouvé les Juifs trop remuants, en partie à cause de leur tradition ancestrale, mais en partie parce qu'il y avait de l'agitation. L'agitation était provoquée par un dénommé Christus. Ça vous fait penser à rien? Voilà. Christus, ce serait plus correct. Alors, c'est vrai que le prénom Christus existait à cette époque, mais au vu de l'évangile, de son action, nous croyons que Jésus s'est installé à Rome, il a remué la communauté juive, et tout comme Paul était à chaque fois exclu, eh bien les chrétiens aussi ont subi les mêmes outrages. Et le gouvernement romain, pour gérer la crise, il a dit, bon, on va faire du nettoyage par le vide, on vire tout le monde. D'heure. Donc tous les Juifs ont été exclus de Rome. Et c'est pour ça que Priscilla et Aquilas arrivent à Corinthe. Et ils accompagnent Paul, ils embauchent Paul, ils lui donnent du travail, ils ont le même métier, et puis ils travaillent ensemble, et ils deviennent vite des compagnons. S'ils n'étaient pas sauvés, ils le deviennent, et ils travaillent ensemble. Autrement dit, quand on a peur, l'un des moyens de s'aider, eh bien, c'est d'être à plusieurs. Et moi, de demander, est-ce que nous avons des amis solides dans l'Église? Certains vont me dire, oui, mais on se sent seul. Vrai? Donc, il faut prier, il faut chercher. Il faut chercher des amis solides, pas seulement des frères et sœurs, et des amis qui vont être là, qui vont nous encourager, qui vont nous montrer le chemin, qui vont nous propulser vers Jésus. Et encore une fois, si nous n'en avons pas encore, il faut prier et il faut chercher. Deuxièmement, Paul est encouragé, je le crois, par la communication du Seigneur. Je l'ai déjà lu au verset 9, Jésus est intervenu dans une vision pour dire à Paul, écoute, il faut que tu arrêtes d'avoir peur. Seulement, parce que certains vont me dire, oui, bon, c'est bien, Paul a reçu sa vision, mais moi, le Seigneur ne me parle pas par vision. Et j'ai envie de vous dire, ce n'est pas un problème, et même vous n'en avez pas besoin. Parce que, qu'est-ce que Jésus est venu faire dans cette vision? Il est surtout venu parler à Paul. C'est la parole de Dieu qui a été transmise à Paul. Et comme il a entendu la parole de Dieu, il a été fortifié par la parole de Dieu. Et je voudrais vous rappeler, si je ne l'ai pas encore fait, le focus du chrétien n'est pas sur l'extraordinaire, mais sur la puissance de la parole de Jésus. Dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 16 à 21, ça c'est un verset que vous allez m'entendre citer souvent, je suis vraiment désolé, mais pour moi c'est essentiel, surtout aujourd'hui. Dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 16 à 21, je vous le lis très rapidement. Pierre parle et nous dit « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme en ayant vu, pardon, sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur, gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne. Je m'arrête. Pierre est en train de faire référence à ce que nous appelons la transfiguration. Pierre, Jacques, Jean ont été emmenés par Jésus sur une montagne. Jésus a prié et il est devenu un super guerrier pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z. Ses vêtements on resplendit, son visage est devenu éclatant, et une voix a dit, cette personne-là,
c'est mon fils. Le christianisme n'est pas une religion que nous avons inventée parce que nous avons eu envie. Le christianisme biblique est une religion historique. C'est quelque chose qui s'est produit. Pierre dit, j'étais là et j'ai vu l'événement. Maintenant, dans nos versions, il me semble qu'il y a une imprécision. À partir du verset 19, Pierre nous dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Autrement dit, les traducteurs ont pensé, voilà, Pierre a vu cette vision et la vision a confirmé pour lui le fait que la parole de Dieu est vraiment digne d'intérêt. Sauf que ce n'est pas ce qui est dans l'original, mes amis. Dans l'original, il y a simplement une comparaison superlative. Et qu'est-ce qui est supérieur dans cette comparaison? C'est la parole de Dieu. Autrement dit, une meilleure traduction serait « Nous tenons pour plus certaine encore la parole prophétique ». Qu'est-ce que je veux dire par là? Pierre a vu Jésus changer de couleur. Pierre a entendu la voix de Dieu qui disait « Lui, c'est mon fils ». Et il dit, même si j'ai vu, même si j'ai entendu, la parole de Dieu est supérieure à ce que j'ai vu et entendu. Autrement dit, quand il dit après, sachez tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il est en train de nous dire, la parole de Dieu est supérieure à toute vision, à tout phénomène miraculeux, à toute personne, à toute institution, à tout pouvoir, à tout homme. La parole de Dieu est supérieure. Et donc, l'Écriture reste notre outil le plus précieux lorsque nous avons peur. D'aucuns font remarquer que dans la Bible, il est écrit 366 fois « N'aie pas peur ». Une fois par jour, plus une fois au cas où on n'a pas compris. Dieu nous parle par sa parole. Il nous dit, arrête d'avoir peur. Ne bascule pas dans l'anxiété. Ne fais pas de crise de panique. Je suis là. Et puis, rapidement, il nous faut parler du contrôle du Seigneur sur les circonstances. Versets 12 à 16, on nous a parlé de Gallion, ce responsable-là de la ville, de la région de Corinthe. Gallion, c'est un Romain, c'est un homme qui a été adopté en fait par un autre homme qui s'appelait Sénèque. Pour ceux qui savent, donc, Sénèque, ce n'est pas celui qu'on connaît dans l'histoire, c'est son père qui avait le même nom. Il y a deux Sénèques. Un Sénèque qui était sénateur, entre autres, et puis il y a le philosophe, il y a l'historien romain qu'on connaît, Sénèque. Et donc Gallion, c'est son frère adoptif. C'est un homme instruit, c'est un homme doué, intelligent, il a obtenu de hautes fonctions à Rome, et c'est un homme qui est au courant des troubles liés aux Juifs, surtout. L'histoire nous fait remarquer qu'il n'aimait pas les Juifs. C'était un antisémite. Il ne voulait pas se mêler de leurs affaires. Et donc, quand, dans notre récit, les gens de la synagogue prennent Paul et puis l'emmènent, donc, ils ont dit à Paul, « We're going to sue you ». Ils l'emmènent au tribunal. Et ils disent, « Bon, voilà, Paul, c'est un agitateur, il nous embête. » Au moment où Paul se lève pour dire, « Oui, mais... » Gallion dit, « Une minute. Ça, c'est pas ma juridiction, mes amis. Non, moi, ça m'intéresse pas. Ça, vous pouvez parler de religion. Moi, parler de religion dans mon tribunal, ça m'intéresse pas. Tout le monde dehors. » Paul n'a même pas à se défendre. Et vous pouvez vous imaginer, pour tous ceux qui sont passés au tribunal, il y a un peu de pression. Mais Paul n'a pas à se défendre.
Parce que Galion règle l'affaire, il dit, écoutez-moi, je ne veux pas entendre vos affaires. Si c'est à propos de Dieu, il est devenu le premier laïc, Galion. Allez régler vos affaires dehors. Et notons que Dieu venge son serviteur parce que la foule qui est là, et certains disputent, est-ce que ce sont les Juifs qui ont battu Sosthène? Sosthène, c'était le chef de la synagogue, donc certains disent, bon, les Juifs, quand ils ont vu qu'ils n'ont pas pu condamner Paul, ils ont pris le chef de la synagogue et puis lui ont donné une bastonnade devant Galion, etc. C'est possible. Moi, j'ai plutôt l'impression que ce ne sont pas les Juifs qui ont saisi Sosthène. Parce qu'il faut le savoir, les tribunaux à cette époque étaient ouverts. Ce n'était pas dans un endroit, dans un local du palais de justice où c'était caché. Tout le monde pouvait entendre ce qui se passait. Et rappelez-vous, les Juifs, en général, commençaient à embêter tout le monde. Et donc la population de Corinthe entend, encore une fois, des Juifs qui se lèvent et qui essayent d'impliquer leurs dirigeants ou leur ville dans des histoires qui n'ont aucun intérêt pour eux. Donc il me semble que ce ne sont pas les Juifs, ce sont les gens de Corinthe qui viennent et qui prennent le chef de la synagogue, Sosthène, et qui lui donnent une bonne bastonnade devant tout le monde. Pourquoi je mentionne ça? Parce que je crois que c'est Dieu qui venge son serviteur. Les Juifs voulaient empêcher à Paul de parler, eh bien, Dieu intervient, et puis la foule dit aux Juifs, hey, arrêtez avec vos histoires, laissez-nous tranquilles. Et Paul a donc la liberté de parler. Il y a même pour moi une double ironie là-dedans. Parce que vous pourrez relire chez vous dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1, eh bien, Paul mentionne un homme qui s'appelle Sosthène. Donc, si vous vous rappelez bien, il y a eu un premier chef de la synagogue qui s'est converti, il s'appelait Crispus. Il est parti avec Paul. Et puis, peut-être, et je suis pour moi presque sûr que c'est le cas, ce chef de la synagogue-là, à qui on a donné des coups, eh bien, à un moment, il s'est dit, ben, Jésus en vaut la peine. Et il s'est converti aussi. Chers amis, je le dis et je le redirai jusqu'à la fin de mes jours. Si Dieu n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Dieu contrôle chaque circonstance de notre existence. La raison même pour laquelle vous vous trouvez dans la peur là, c'est Dieu qui autorise ça pour vous apprendre à gérer votre peur. C'est pas Satan qui vous est tombé dessus et puis Dieu s'est dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'avais pas vu venir. Dieu contrôle tout. Les bonnes choses et les mauvaises choses. Il nous faut terminer et faire quelques applications. Par rapport à notre peur, la première chose qu'il nous faut noter, c'est que nous aurons peur. En tant qu'être humain, nous vivons dans un monde troublé. Nous aurons de l'opposition. Nous allons vivre des situations stressantes, angoissantes. Et je l'ai dit tout à l'heure, la peur, dans certaines circonstances, est une désobéissance, mais pas toujours. Pas toujours. Et puis, c'est très simple, vous pouvez le concevoir. Si vous rentrez chez vous un jour et puis, brusquement, vous entendez « Surprise !» et que vous avez sursauté, vous pensez que Jésus va se mettre à côté de vous pour vous dire « N'aie pas peur !» Mais non, mes amis. N'importe quel parent, s'il voit son enfant courir vers la rue avec des voitures qui arrivent, ne vous en faites pas. Il ou elle aura peur. Et c'est totalement normal. Il y a des circonstances qui nous étreignent là. On ne contrôle pas l'arrivée des sentiments dans notre cœur, chers amis. On n'est pas des espèces de machines et puis je sens que la peur vient. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le chrétien peut avoir peur temporairement. Paul a été lapidé, fouetté, menacé de mort, humilié. Et parfois, en tout cas, c'est mon cas, parfois je regarde les personnages bibliques
Et puis, j'ai l'impression que les épreuves glissent sur eux comme sur le dos de canard. Aucun impact émotionnel. Tout va bien. C'est pas vrai. Paul arrive à Corinthe. Il a déjà subi, mes amis. Il a peur. Il y a des circonstances où la peur est normale et salutaire. Et puis, il y a des circonstances où nous devons apprendre à jauger nos réactions. Dire, OK, là, tu sens l'angoisse, la peur, l'anxiété monter. Il faut agir. Pas réagir. Il faut agir. Pourquoi? Premièrement, à cause d'une question. Est-ce que Jésus a déjà eu peur? Vous ne trouvez aucune trace de ça dans l'Écriture. Sauf peut-être une fois où on nous mentionne quand Jésus est dans le jardin de Gethsémané. Okay, dans Matthieu 26, 37, dans Marc 14, 33, on nous dit que Jésus a été saisi de tristesse et d'angoisse. Vous allez me dire, ah, s'il est angoissé, il a eu peur. Être angoissé, c'est avoir peur. Quand on regarde dans notre dictionnaire actuel, oui. Mais le terme être angoissé dans l'original veut dire être déprimé. Être grandement troublé, ok, se rapproche. Être presque submergé à la perspective d'un événement fâcheux. L'emphase est sur presque. Jésus n'a jamais eu peur, mes amis. Mais Jésus a tout de même été bouleversé dans son âme par le poids de nos désobéissances. Quand il a dû faire face au fait que lui qui est parfait de toute éternité, il s'apprête à revêtir, à porter et à supporter le poids de la saleté absolue de nos fautes. Et ça, Jésus ne regarde pas cette circonstance-là et se dit, oh, pas de problème, je suis Dieu, je gère. Non, 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 Jésus, là, il voit parce qu'il est pur, il est parfaitement propre et toute la saleté de son peuple va être déversé sur lui. Et donc, si Jésus n'est pas en train de faire une crise de panique, il n'empêche que la chose le secoue. Et donc, Jésus comprend lorsque nous avons peur. Il sait ce que c'est que d'être déprimé devant le futur. Il sait ce que c'est que d'être bouleversé, secoué à l'intérieur lorsqu'il y a des éléments qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas changer. Jésus comprend. Mais en même temps, Jésus nous dit toujours, arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Rapidement, comment vaincre sa peur? Premièrement, take a deep breath. Allez, tout le monde, on y va. On respire. Juste un seul. Il ne faut pas en prendre plusieurs parce que vous allez étouffer. On se pose. Quand on a peur, il y a l'adrénaline qui monte. L'adrénaline, c'est l'hormone de l'action. Il faut calmer ça. On respire. On respire, on se donne le temps de redescendre en pression, de réfléchir. Pour agir. Deuxièmement, quand on en a la capacité, une prière rapide, ce n'est pas interdit. Et je dis bien une prière rapide. Ce n'est pas le moment de se mettre à genoux et de dire, « Seigneur, toi qui es l'effulgence de la gloire divine, toi qui as... » Seigneur, fais quelque chose pour moi maintenant. Viens m'aider tout de suite. Seigneur, je vais mourir. Ça, c'est une prière.
On prie, on demande à Dieu son intervention rapide. Toujours dans l'action, on ne reste pas seul. On cherche des gens, des frères et sœurs sages avec qui on va partager nos peurs, qui vont nous donner de bons conseils. On ne court pas faire des choses rapidement parce qu'on est sous pression. On se pose, on dit, mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas dans la même situation que moi. Ces personnes-là pourront m'aider. Il faut que je les consulte. Et puis, quatrièmement, il ne faut surtout pas nous arrêter de travailler. Paul avait peur en arrivant à Corinthe. Est-ce qu'il est allé quand même? Oui. Paul avait peur pendant qu'il était à Corinthe. Est-ce qu'il a arrêté d'annoncer l'évangile? Non. Il a continué. On ne doit pas laisser la peur nous empêcher d'agir. La peur, c'est ce qu'elle voudrait faire. Elle voudrait nous dire, arrête-toi. Ou bien fais n'importe quoi. L'Écriture nous dit, non, tu as une job à faire. Fais-la. Tu as un évangile à annoncer. Il y a des gens qui te regardent. Essaye de montrer Christ, même dans cette circonstance-là. Cinquièmement, guettons les encouragements du Seigneur. De la même manière que Dieu a sauvé Paul d'une défense devant les tribunaux, de la même manière, Dieu est prêt à changer les circonstances pour nous. Après tout, l'épreuve, c'est le fruit de sa volonté. Et puis, je sais ce que certains vont dire. Ils vont dire, oui, pasteur, tu es bien gentil dans ta chair, dans ta tour d'ivoire intellectuelle, c'est comme ça que ça marche. Mais nous sommes dans la vraie vie, nous. Des fois, on fait ça, hein, et il n'y a rien qui bouge. Moi, j'ai envie de vous dire, effectivement, ça ne va pas bouger. Dans certains cas. Le Seigneur vous dit, persévère. Le Seigneur ne vous dit pas, c'est bon, maintenant tu peux faire ta crise d'angoisse, roule-toi en boule, suce ton pouce. Tu as peur? Oh, je comprends. Non, le Seigneur nous dit, persévère. Persévère. Il y a une femme que vous connaissez peut-être qui s'appelait Marie Durand. Marie Durand, en France, est restée 38 ans enfermée dans une tour-prison dans la ville d'Aigues-Mortes. Pourquoi? Parce qu'elle était chrétienne. Elle avait cru en Christ, elle s'était repentie de ses péchés. Et le gouvernement français lui a dit, si tu ne renies pas Christ, tu vas être privé de ta liberté. 38 ans. Et dans sa cellule, on a trouvé le mot résister. Mon temps est arrivé. Chers amis, n'ayons pas peur. Chers frères, n'ayez pas peur. Le Seigneur vous appelle sans doute à faire des choses dans son Église. N'ayez pas peur d'entreprendre. Chères sœurs, ne soyez pas anxieuses, ni à propos du lendemain, ni à propos de votre santé, ni à propos du membre de famille. Dieu en prendra soin. Chers jeunes, je veux vous parler parce que j'ai entendu la semaine dernière que la génération Z fait 2 crises d'angoisse par mois. Parce qu'on leur a tellement dit la pollution, l'essence qu'il ne faut pas utiliser, le monde va finir, il y a la guerre, vous allez tous mourir. Les jeunes aujourd'hui sont angoissés, ils n'ont pas d'espoir. Laissez-moi vous dire, chers jeunes, aucune pollution ne va détruire le monde. Aucune guerre ne va détruire le monde. La personne qui va arrêter l'histoire s'appelle Jésus-Christ. Lorsqu'il va revenir, il va dire, voilà, je récupère les miens. Et puis, fin. Tant que vous n'avez pas vu Jésus apparaître là dans le ciel, ne vous en faites pas, la terre va continuer. Il y aura toujours des humains, il y aura toujours des chrétiens. Le Seigneur, c'est lui qui va faire le monde se terminer. Pas les guerres, pas les hommes, pas l'essence, pas le Dieu. Ne soyez pas angoissés. Et puis, chers amis non chrétiens,
Si vous ne connaissez pas Jésus, je sais, vous êtes dans l'angoisse. Vous pouvez me dire non, tout ce que vous voudrez. Je mentionne deux mots, la mort. Tous ceux qui ne connaissent pas Christ sont dans l'angoisse. Moi, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Parce que Jésus est mort et Jésus est ressuscité. Il est le seul ou le plus grand qui soit allé au-delà du voile de la mort, qui soit revenu nous dire ce qui se passe de l'autre côté. Et il vous dit, si vous me faites confiance, la mort ne vous touchera pas. La mort ne vous détruira pas. La mort n'anéantira pas votre existence, votre espérance. Je suis vainqueur. Je suis le Seigneur de la vie et le Seigneur de la mort. Faites-lui confiance aujourd'hui. Prions. Éternel, viens consoler ton peuple. Viens relever ceux qui sont dans l'anxiété, qui parfois même ne peuvent pas respirer parce qu'ils sont étreints par la peur. Viens les relever, viens les guider. Viens leur montrer que tu contrôles encore toutes choses pour ta gloire, pour que Jésus soit connu, pour que Jésus soit exalté et pour que son peuple soit dans la joie, dans la paix, parce que c'est ce que tu nous as offert. Tu es le prince de paix. Alors viens calmer les cœurs troublés. Viens reporter les regards sur toi et donne-nous à tous ici d'œuvrer pour la gloire de ton nom, de ne pas être paralysés par la peur, mais de vaincre la peur par le bien que tu nous demandes de faire. Glorifie-toi par le salut aussi de ceux qui ne te connaissent pas encore. Et nous t'avons demandé ces grâces en la personne de Jésus, ton Fils. Amen. Amen.